Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va pouvoir parler un petit peu de ces nouveaux skins qui arrivent. Ah, alors que la caméra se. Bon, c'est bon, elle revient à normal. Du coup, oui, on va parler un petit peu des nouveaux skins et honnêtement des choses très intéressantes. Notamment, eh bien, bon, la nouvelle monture chien. Bon, je suis sûr qu'elle en fera craquer plus d'un. Moi, j'aime pas trop les chiens, donc je suis désolé, c'est pas ma tasse de thé. De Terracine. Du coup, on a les skins, des nouveaux skins aussi pour Liming. Le rose est vraiment cool. Le rose est vraiment vraiment cool. Je trouve ça très sympa, très très sympa. À côté de ça, en rouge aussi, elle est plutôt sympathique cette petite Liming. À noter qu'ils lui ont mis des chaussettes, enfin des espèces de. Parce que normalement, il me semble que c'est, on voit ses jambes. En tout cas, bon, avec ce skin là, c'est plutôt sympa. J'aime bien la couleur rose, honnêtement. La rouge est cool aussi. Et là, surtout, il y a le nouveau Keltas. Keltas, le skin de Keltas, c'est vraiment très très sympa. Alors, on va pas se le cacher. Petit prince, hein, petit prince Keltas avec ce skin de prince chinois est vraiment très intéressant, je trouve. Et j'ai testé un peu les effets, ils sont sublimes avec les bruits. Alors, par contre, à savoir, les ultimes ne sont pas changées. Les ultimes n'ont pas été changées. Je trouve ça un peu dommage. Après, le skin n'est pas spécialement. Je crois qu'il est un. Je sais plus s'il est à 1400 ou plus. Je crois qu'il est à 1400 le skin. Mais honnêtement, il est cool. Mais. Je trouve quand même qu'ils auraient pu changer les ultimes, ça c'est pas, c'est un peu dommage. Mais ouais, le skin de Keltas vaut le coup, les petits coloris différents, on le voit en vert. Il y a un vert, moi j'aime beaucoup en vert personnellement. Avec la cape qui a des motifs différents. En blanc aussi, comme ça, il est très sympathique. Et les effets sont super cool. En dehors, bah, les ultimes, eux, ne sont pas changés. Pour Sylvanas, je suis un petit peu. Alors, j'avoue que déjà, Sylvanas, on la reconnaît pas des masses, mais c'est plutôt sympa, hein. Et ça fait du coup plus skin aux elfes. Mais malgré tout, j'ai pas été emballé. Pourquoi? Parce que bah, les compétences ne changent quasiment pas. À la limite, les A changent, mais sinon, ça fait très recolore, en fait, recolorisation des compétences. Du coup, je suis pas spécialement fan. Ouais, l'ultime. L'ultime fait une petite flèche un peu différente, mais sinon je suis pas spécialement emballé par ce skin Sylvanas. Alors le skin Cassia et le skin Zul'jin, honnêtement très très sympathique. Je trouve que le skin Cassia est cool, avec cette arme un peu à la Lubou, j'aime beaucoup. Le monstre un petit peu pour Zul'jin est très sympa aussi, un peu le démon. J'aime beaucoup, les deux skins sont très très intéressants. C'est que des recolors, mais enfin c'est pas des recolors, mais ils ont été, enfin c'est des vrais nouveaux skins. Et là justement on a des nouveaux recolors pour Genji et Asmodan, et honnêtement pour des skins recolorisés. Je trouve qu'ils sont super intéressants et ça, ils coûtent pas cher. Hein. Eux, ils coûtent vraiment pas cher parce que c'est juste des skins recolorisés. Mais je trouve que ça rend super bien. Ça rend super bien pour Genji et Asmodan. Et alors, par contre, ce nouveau choc, honnêtement, des sacrés barres. Hein. J'ai hâte de le tester parce qu'une espèce de Mario Kart. Franchement, mais quelle belle idée. Et les petits trucs, ils sont superbes. Hein. Il y en a, ils sont superbes, genre la Liming et la petite Lily enfin, c'est trop mignon. Je trouve ça trop mignon. Mais vraiment, les skins, les petits tags et tout, vraiment, tout est au rendez-vous. On a des jolis petits trucs. La Jaina en vert aussi, des nouveaux coloris pour différents persos. La Jaina verte m'intéresse beaucoup. Illidan en vert aussi, comme ça. Arthas en bleu. Fait un peu plus way, je dirais, le KO, les armées des trois royaumes, c'est plutôt sympa. Et ouais, la nouvelle monture, alors celle-là sera normalement donc gratuite, une nouvelle monture gratuite, et ça c'est cool, sachant qu'il y a une nouvelle monture en or qu'il faudra acheter à ce moment-là, mais c'est plutôt sympa. Il y a quand même beaucoup beaucoup de contenu, la bannière est très très sympathique aussi. J'aime bien ces nouveaux skins, honnêtement. Voilà, on a vu la différente monture, la monture différente. Voilà, ça c'est celle qu'il faudra, les deux là c'est celle qu'il faudra, il y en a une qu'il faut débloquer. Voilà, celle-là faut la débloquer avec les quêtes, et celle-là faudra la débloquer avec des sous-sous. Ça fera des super montures pour Junkrat, mine de rien. Tout main Junkrat devrait l'acheter ou devrait faire la quête, bien entendu. Mais ouais, les nouveaux skins sont très sympathiques. Personnellement, je pense à acheter Keltas. Après, différentes couleurs, faut voir, mais j'aime beaucoup celui de Keltas en tout cas. Alors, on a le droit peut-être à. Je pense que le cru de l'année dernière a été très très bon en termes de skins de la fête lunaire. Je pense que 2017 c'était un énorme cru. Cette année, il est sympa, mais j'ai eu des petites déceptions. Je dirais, j'avais des attentes un peu plus poussées. Je sais pas. Par exemple, c'est bête, mais Liming, bah voilà, ces deux ultimes changent de couleur. Je m'attendais à ce que Keltas, ses ultimes, je m'attendais à un phénix super sympa. Phénix, c'est quand même un animal, enfin, emblématique, on va dire mythologique, emblématique de l'Est aussi, de la Chine. Et du coup, je m'imaginais un super truc. On aurait pu imaginer une espèce de paon en feu et tout. Et quand j'ai lancé le phénix et que c'était le phénix, j'étais à ah.
Déçu. Et la Pyro, je m'attendais à un truc dégueulasse, mais un truc marrant quand même. Et au final, non plus, j'étais un peu déçu, honnêtement, de certains skins, mais ils sont quand même plutôt jolis. Donc, dans l'ensemble, je dirais que c'est mitigé. On a des très belles choses, des nouvelles couleurs. Je pense à la Jaina, qui était déjà magnifique l'année dernière, mais là, avec le coloris vert, vachement sympathique. À côté de ça, légèrement déçu. Il y a beaucoup de skins recolorisés. Alors, ce qui fait aussi que les skins sont pas chers. Ça c'est l'avantage, hein. Les skins sont pas chers. Pour beaucoup, les skins sont pas chers. Après, un petit peu déçu, je m'attendais à un événement en fait lunaire un peu plus garni, on va dire, hein. On avait eu une belle année l'année dernière, donc bon, un petit peu déçu, mais après ça reste du bonus, donc bon, ça reste très sympathique. N'hésitez pas à me donner vos impressions vous concernant les skins. Est-ce que vous êtes super hypé? Est-ce que vous voulez acheter tous les nouveaux skins? Qu'est-ce que vous pensez du nouveau mode? Moi honnêtement j'ai hâte de le tester, le nouveau mode là. C'est cool de voir que Blizzard diversifie énormément ses brawls pour faire en sorte que justement il y ait plein de petits nouveaux modes de jeu. C'est ce qu'on attendait de ce mode, et passer des moments fun, et plutôt que de voilà de rejouer sur Garden avec une mini Garden of Terror, etc. Non, non, on a envie de se fendre la gueule avec les Stitches, Bikini, etc. Et là, du coup, cette espèce de Mario Kart, espèce de Nexus Kart, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Donc, n'hésitez pas à donner vos impressions. Et qu'est-ce que vous pensez de la monture aussi, qui est un peu chelou quand même. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui vont l'apprécier. Voilà, n'hésitez pas à donner vos impressions. Moi, je vous fais plein de bisous. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Sachant que cette semaine va sortir également la vidéo de guide de Maiev. On aura également la patch note, etc. Donc, il y a pas mal de contenu qui arrive. Donc, moi, je vous fais plein plein de bisous. Et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. À plus dans le Nexus. Thank you.